tu parles, mais ça. Quoi ? Je t'ai dit qu'un drôle ! Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Donc là, maintenant, on va vous décortiquer la technique. Donc là, on va être parti du principe que vous n'avez pas géré votre distance de sécurité. Rappelez-vous nos 5 règles pour gérer un conflit. D'accord ? Il y en a 5. Et dont la deuxième qui est tout simplement empêcher l'autre de rentrer dans votre distance, ce qu'on appelle la bulle de sang, où quand il rentre, il va y avoir effusion de sang. Donc là, il est rentré, il m'a attrapé par un callback, parce que je suis coincé contre un mur, contre une voiture, ou tout simplement parce que je l'ai laissé se rapprocher. Donc là, rappelez-vous, on est toujours en garde passive, en garde déguisée, sauf que là, maintenant, il y a vraiment une agression. D'accord ? Donc, je mets toujours ma main, au moins, il met un coup de tête, parce que c'est ce qui arrive. Le plus souvent, voilà, les mecs, ils font ça, ou ils mettent une droite ou un coup de tête, je me protège, et tout de suite, coup de pied dans les parties. Là, et comme il a les vêtements, j'ai pas besoin de m'emmerder, j'ai plus qu'à venir tirer rapidement sur ses vêtements pour l'amener au sol. Et comme il a pris juste avant un coup de pied dans les croconesses, c'est réglé. Et rappelez-vous toujours, on explique, pour que s'il y a des témoins qui parlent, je suis en train de dire qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu fais ça. Allez, on est parti pour l'explication. Donc le premier réflexe à avoir quand il vous saisit, c'est tout de suite descendre sur les jambes. Sinon, si c'est pas le cas, il vous soulève. Voilà, et là on est foutu. Donc là on est descendu. Premier réflexe à avoir, et rappelez-vous, c'est les rojones. C'est l'un des meilleurs moyens de déconnecter votre agresseur. Donc là, tout simplement, coup de genou, il est très proche de vous. Coup de genou, super simple. Et en pousse dans les yeux. Mais je ne vais pas appuyer, je vais choquer, je vais mettre un coup. Quand vous allez mettre un coup sur les yeux, pardon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire un petit flash blanc et ça fait mal. D'accord? Alors que si on appuie, il suffit qu'il ait bu de l'alcool ou fumé un joint pour qu'il puisse résister à la douleur. Donc là, je vais appuyer, je lâche et boum, coup de coude pour finir. Explication. Donc comme tout à l'heure, bam, on descend ici pour éviter qu'il nous soulève en arrière. Et là, je vais faire une feinte. Donc je vais partir ici pour tout de suite revenir là. Là, il a lâché, je suis. Voilà, où je suis avec les coups, je l'emmène au sol, où je le laisse s'écrouler, je le maîtrise, après ça vous voit. Mais si jamais il a la tête collée, donc là, ça ne marchera pas. Okay, donc c'est un gars qui est lutteur, qui a l'habitude de faire du MMA ou qui a l'habitude de se battre dans la rue. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement sortir mes fesses, me décaler et venir chercher ses rojones. Boum, 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 voilà. Carrément même lui attraper, lui broyer. Explication. Donc si quelqu'un vient vous prendre par derrière, premier réflexe, comme tout à l'heure, bam, on descend tout de suite sur ses jambes pour éviter de se faire renverser en arrière. Je viens bloquer ses bras, j'ai plus qu'à mettre une jambe en barrage et à me laisser tomber sur lui. Boum. Au moment où il tombe, on va terminer, normalement il lâche, après on met un coup de coude et on essaie vite de se relever. Ça c'est vraiment une situation, c'est du vécu, ça m'est arrivé dans la rue, une personne, pour pas dire obèse, m'avait pris par derrière et juste en chutant, je lui avais coupé la respiration, j'avais réussi donc à le mettre KO juste comme ça. Donc là, vous venez de voir comment vous défendre des saisies quand quelqu'un vous se rapproche trop de vous. Rappelez-vous, ce qui est super efficace, c'est si on a toutes les possibilités, c'est on déconnecte par les yeux, par les rojones, et on n'a pas besoin de le montrer, mais si vraiment je suis coincé, bloqué, et que je peux ni prendre les rojones, ni prendre les yeux, je vais essayer de mordre en mode lion, et j'arrache tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, un petit pouce bleu sur Facebook, YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne, c'est gratuit, ça permet nous de mieux être positionnés et de pouvoir mieux partager notre savoir-faire, notre système Urban Fight. Et bien maintenant, à vous de jouer !